Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les meilleures promotions du Black Friday, puisque oui, le Black Friday c'est aujourd'hui, j'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne et je vous avais promis une vidéo où je vous ferai justement un récapitulatif des meilleures promotions que j'ai pu trouver et de mes sélections. Donc si tout ça vous intéresse, restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Alors si vous avez suivi un petit peu cette semaine, je vous ai posté pas mal de choses, que ce soit sur mon onglet communauté sur ma chaîne YouTube, mais également sur LTK, où je vous ai fait des sélections journalières à chaque fois que je voyais des promotions intéressantes. Donc si vous avez déjà vu un petit peu tout ça, vous êtes déjà au courant de la plupart des promotions, mais si c'est pas le cas, cette vidéo sera peut-être utile dans ce sens là donc ça a commencé par Mango qui a lancé son Black Friday lundi avec une sélection et jusqu'à -50 sur une sélection d'articles. Du coup je vous ai fait ma sélection parmi la sélection qu'avait créée Mango. Je vous mettrai ici sur le côté à chaque fois ma sélection et le post en fait que j'ai créé sur LTK, et évidemment je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, donc de mon shop LTK pour que vous puissiez retrouver mes sélections mode ainsi que tous les liens vers les articles qui sont dans ces sélections mode. Je trouve que c'est très pratique et ça vous permet aussi de vous retrouver peut-être plus facilement puisque tout est au même endroit, vous avez vraiment les photos des articles à chaque fois et il suffit de cliquer sur la photo pour que ça vous envoie directement sur le site. Donc je trouve ça vraiment super, surtout dans ces périodes de promotion, ça me permet de vous faire des sélections rapides, de vous les mettre en ligne rapidement et que vous puissiez les avoir du coup rapidement. C'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus pratique également qu'une vidéo YouTube. Donc, parmi cette sélection il y a notamment ma jupe, la jupe que je vous avais partagée début septembre, je crois que je l'avais achetée celle-ci, la jupe plissée que j'aime beaucoup et que je porte très souvent, elle fait partie de la sélection. Ma veste en tweed noir que j'ai également, elle fait partie de la sélection. Donc si jamais c'était des pièces que vous aviez repérées dans mon dressing, eh bien sachez qu'elles sont en promotion chez Mango actuellement. Chez COS ensuite il y a -25% sur une sélection qui n'est pas très large, je dois l'avouer. J'ai quand même trouvé de très jolies pièces et je vous en ai fait du coup une petite sélection avec mes favoris. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue de COS, même si je m'y attendais, c'est ce qu'ils font en règle générale. Ils font souvent des sélections comme ça avec des promotions plus ou moins importantes. Donc je m'en doutais un petit peu, mais je dois dire que c'est quand même un petit peu décevant. Arquette également dans la déception, il n'y a absolument rien et aucune promotion chez Arquette. Je m'attendais au minimum à une sélection et il n'y en a pas. Donc je surveille, je continue à surveiller, je vous tiendrai au courant évidemment si ça vient à changer. Mais pour le moment il ne se passe absolument rien sur le site d'Arquette. Si on reste dans le même groupe, End Other Stories fait -20% sur tout le site. Et là je trouve que c'est vraiment super parce que j'adore End Other Stories et j'adore les articles qu'ils proposent. C'est vraiment une de mes enseignes favorites et je suis très contente qu'ils proposent -20% sur tout le site. Donc c'était réservé aux membres hier, puisqu'il y avait en fait un code à rentrer qui était le code BF23. Je vous l'avais noté d'ailleurs dans ma sélection, sélection que je vous remets juste à côté. Mais vous n'avez plus besoin de code aujourd'hui et ce week-end, vous pouvez compléter votre panier et le valider, les promotions seront normalement actives. Donc j'ai fait une sélection sur End Other Stories. Mes pièces favorites c'est mon blazer beige que je vous montre tout le temps, mon blazer en laine que j'adore, il fait partie du coup des promotions et ça vaut vraiment le coup sur ce type de pièces. Le pull en cachemire col V un petit peu polo que je vous avais mis dans ma wishlist est également du coup en promotion et j'en ai profité pour me le prendre puisque j'avais dit que je le ferais et j'en ai profité. Un manteau également que j'avais repéré et j'ai profité des -20% pour me prendre également, c'est celui-ci, c'est un manteau croisé un petit peu peignoir. J'adore ce type de manteau et celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment donc j'en ai profité également. J'ai également vu ma jupe, la jupe noire droite avec les deux poche sur le côté que je vous avais montré également, celle-ci du coup elle est également en promotion. Ma blouse brodée que je porte beaucoup au printemps et en été avec les manches ballon que j'aime énormément et que je ressors tous les ans, celle-ci elle est également sur le site actuellement. Donc voilà, c'est mes pièces favorites chez End Other Stories, honnêtement c'est vraiment une très jolie sélection et c'est que des pièces que j'adore, donc je vous laisserai évidemment ma sélection en barre d'infos. En ce qui concerne H&M, ils avaient lancé une sélection jusqu'à -40 ou -50% en début de semaine et je vous avais fait du coup une sélection et en fait ça a changé aujourd'hui. J'ai reçu la notification il y a quelques minutes au moment où je filme cette vidéo et c'est passé à -25%.
25% sur la totalité du site. Donc j'ai l'intention de vous faire une deuxième sélection, du coup elle sera prête d'ici à ce que la vidéo sorte ce soir, donc je la mettrai ici sur le côté et également en barre d'infos avec les pièces les plus intéressantes selon moi. Mais du coup ils nous ont fait un petit peu la même chose que l'année dernière, au final je m'en doutais un petit peu. Ils ont commencé par une sélection remisée et ensuite ils ont mis un code général ou une réduction générale, ce qui n'était pas le cas en Angleterre pour la deuxième année consécutive où ils ont lancé directement les moins 20% sur tout dès le départ. Je ne sais pas pourquoi c'est différent en France, mais c'est vrai que du coup là où c'est un petit peu injuste, c'est que des pièces qui étaient à moins 40% par exemple en début de semaine, elles sont repassées à moins 25% ici en fin de semaine. Donc ça dépend vraiment des pièces, mais c'est quand même toujours très intéressant, moins 25% chez H&M. Uniqlo ensuite, et là il y a des choses très intéressantes aussi puisqu'il y a moins 10€ sur les pièces en cachemire. Donc vous savez les pulls en cachemire dont je vous parle absolument tout le temps, ceux qui sont col rond, mais également les cols roulés et les cols V. Tous les pulls en cachemire de chez Uniqlo ont moins 10€ sur leur prix. Certes, c'est pas une promotion qui est énorme, mais sur des pièces qui sont déjà un petit peu chères, eh bien je trouve que ça vaut vraiment le coup. Même chose pour tout ce qui est accessoires en cachemire, donc les gants, les écharpes, les bonnets. Et également sur les vêtements e-tech, donc tout ce qui est t-shirt, je mets souvent en dessous de mes pulls et que j'adore. Il y a moins 5€ également sur ces pièces-là, ainsi que sur le legging e-tech que j'aime beaucoup porter en hiver sous mes pantalons. Tout ça, c'est vraiment des indispensables de l'hiver selon moi, et du coup ils sont remisés chez Uniqlo. Chez Zara ainsi que chez Massimo Dutti, ce sont des sélections à moins 40%. Et là j'ai vu quelques pièces intéressantes, notamment la veste que je porte sur moi, donc qui est une Massimo Dutti. Je l'ai vue en promotion chez Massimo Dutti, donc à moins 40% en crème comme ça, et également dans sa version noire. Le reste, j'ai pas vu grand chose de très intéressant, mais vous pouvez quand même évidemment regarder. Et chez Zara, j'ai vu mes ballerines en cuir avec la petite bride sur le dessus, que je porte très souvent également. Elles sont dans la sélection à moins 40, ainsi que la veste que je vous avais partagée dans ma vidéo wishlist, je crois. La veste beige qui ressemble fortement à la veste COS que j'ai. Elle est également dans la sélection et donc elle est aussi à moins 40%. Jonac a lancé également moins 20% sur tout le site ce matin. Donc si vous étiez intéressé par des babies par exemple, mes babies qui viennent de chez Jonac, elles font partie des moins 20% du coup. Ils ont de très jolies ballerines également, ils ont des bottes, ils ont vraiment de tout Jonac. Et c'est vraiment une marque de chaussures que j'aime beaucoup et que je recommande assez régulièrement puisque j'ai déjà plusieurs paires. Et donc il y a moins 20% sur tous leurs modèles. Donc c'est l'occasion, si vous aviez un modèle en tête, d'en profiter. Levi's ensuite, il y a jusqu'à moins 50% sur une sélection et 10% supplémentaire pour les membres. Sachant que c'est très facile de devenir membre chez Levi's. Il me semble qu'il faut juste créer un compte ou s'inscrire à la newsletter et du coup vous pouvez profiter de moins 10% supplémentaire. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dans cette sélection. Il y a des chances qu'il y ait mon jean favori, le modèle Ribcage Straight dont je vous parle absolument tout le temps. Je vais regarder, si c'est le cas je vous mettrai le lien vers ce jean là en barre d'infos. Côté beauté, il y a Sephora qui a lancé également un Black Friday, donc il y a moins 30% sur les parfums et les coffrets de parfums. Donc parfait si vous voulez commencer vos cadeaux de Noël et si vous avez l'intention d'offrir des coffrets frais de parfum, et bien c'est le moment d'en profiter puisqu'il y a moins 30% sur ces coffrets là, et notamment sur des parfums qui sont très connus comme les parfums Guerlain ou les parfums Dior, le Miss Dior par exemple, ou le Lavier Belle de Lancôme, qui sont quand même des parfums qui sont très connus et très appréciés. Les coffrets sont en promotion. Et ensuite il y a moins 25% sur tout ce qui est soins cheveux et soins visage, et également sur le maquillage. Donc tout ça c'est malheureusement hors marque Point Rouge. Je pense que vous le savez, si vous achetez régulièrement chez Sephora, il y a des marques qui sont Point Rouge et qui ne font jamais partie de ce type de promotion. Donc c'est le cas ici, ça va peut-être changer dans le week-end, donc restez du coup justement connectés parce que je vous referai une sélection si c'est le cas sur mon shop LTK. Mais en tout cas c'est l'occasion de racheter quelques basiques, par exemple si vous arrivez en fin de produit. Je sais que c'est mon cas et que je vais faire du coup une petite commande chez Sephora. Toujours dans la beauté, il y a également Charlotte Tilbury qui a lancé un Black Friday. Donc Charlotte Tilbury fait partie des marques Point Rouge sur Sephora, donc des marques qui ne sont pas remisées. Mais par contre si vous allez sur le site de Charlotte Tilbury, il y a des promotions. Donc en début de semaine c'était moins 30% sur les kits beauté, je vous avais fait du coup une sélection. Et là j'ai vu que ça avait changé et qu'il y avait quasiment jusqu'à moins 30% sur tout. Ça peut être très intéressant si vous avez des produits Charlotte Tilbury qui vous plaisent, et bien ça peut être l'occasion de les avoir moins chers. Toujours dans la beauté, il y a également Space NK. Alors Space NK, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment vous en parler. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui travaillaient pour la marque et d'aller à un événement qui était organisé par la marque. Et en fait Space NK a été lancé en France cette année, il y a quelques mois maintenant. Et si
si vous connaissez pas, c'est un petit peu le Sephora version anglaise. Donc il y a énormément de marques qui sont proposées sur le site de Space NK, notamment des marques qui ne sont pas présentes chez Sephora, donc c'est aussi l'avantage. Et là il y a une sélection jusqu'à moins 25%, donc c'est moins 20 et moins 25% sur des produits qui sont vraiment très en vogue en ce moment. Si vous suivez un petit peu sur TikTok les tendances beauté, c'est vraiment des produits qui sont très souvent mentionnés, qui sont très populaires et qui sont en promotion ici, moins 20, moins 25%. Notamment la crème Tatcha par exemple, la crème pour le visage. Il y a la marque Hourglass, La Mer, Olaplex également, Drunk Elephant. Il y a beaucoup de marques qui sont très connues et des produits qui sont très populaires. Je vous ai fait une sélection du coup que je vous laisse ici et également en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver facilement. Si vous êtes des fans de beauté, il y a vraiment de quoi faire entre les promotions chez Sephora et également celles chez Space NK. Les bijoux maintenant, j'ai également fait plusieurs sélections bijoux, donc notamment chez PD Paola. PD Paola qui est une marque que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le passé, mais que j'utilisais déjà bien avant de travailler avec eux. J'ai beaucoup de bijoux de chez eux, notamment cette bague que je porte ici, et ils ont fait quelque chose de super, même si c'est quelque chose qu'ils font tout les ans en vérité, et ça fait déjà des années que j'en profite. Mais ils proposent moins 20% des 1 article acheté, moins 25% des 2 articles achetés, moins 30% des 3 articles achetés et moins 40% des 4 articles acheter, sachant qu'il y a énormément de choix puisque c'est sur tout le site. Même chose, je vous ai fait une sélection avec mes pièces favorites. Je possède la plupart des pièces que j'ai mises sur cette sélection et vous avez vraiment un choix énorme. D'ailleurs, les boucles d'oreilles que je porte également ici et que je porte tout le temps dans toutes mes vidéos sont des PD Paola et vous pouvez du coup avoir un pourcentage remisé dessus. La deuxième marque de bijoux que je voulais mentionner, c'est Missoma, puisqu'il y a jusqu'à moins 40% sur une sélection qui est très large également et avec des pièces qui sont assez iconiques, notamment le collier avec le médaillon que je possède depuis des années maintenant et que j'adore. Missoma, c'est une marque qui est plus chère que PD Paola ou que Aglaia, dont je parle souvent aussi, mais ce sont de très jolis bijoux également qui font des styles un petit peu différents aussi. Donc pourquoi pas jeter un petit coup d'œil si vous voulez de nouveaux bijoux. Mais du coup voilà, j'ai fait le tour de toutes les promotions que j'ai repérées cette semaine, en tout cas les plus intéressantes et celles sur les marques dont je vous parle très souvent. Le Black Friday va continuer ce week-end et jusqu'à lundi prochain normalement, donc il risque d'y avoir des changements et des marques qui changent un petit peu leur promotion ou leur sélection. Donc évidemment je vous tiendrai au courant de tout ça. Si vous voulez rester au courant, n'hésitez pas à suivre mon onglet communauté ici sur YouTube. Je vous poste à chaque fois que je fais une nouvelle sélection ou à chaque fois que je vois de nouvelles promotions, je vous poste ça sur l'onglet communauté ou alors sur mon shop Altiquet. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez pas forcément besoin d'un compte pour visualiser la page et pour avoir accès à mes sélections. Par contre, si vous voulez vous abonner, il faut effectivement un compte, mais n'hésitez pas à avoir par exemple un onglet ouvert avec mes sélections. Je vous ai fait tout un dossier, une collection avec les promotions du Black Friday 2023, donc vous pouvez garder cet onglet là par exemple actif sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et le rafraîchir tous les jours pour voir les nouveautés que j'y ai ajoutées. C'est honnêtement la meilleure façon de rester au courant puisque c'est là que je poste en premier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, à me dire si vous avez profité justement de ces promotions du Black Friday, qu'est-ce que vous avez acheté, dites-moi tout ça en commentaire puisque j'adore vous lire. Abonnez-vous également à ma chaîne pour en voir davantage. Je reviendrai la semaine prochaine si j'ai tout reçu avec un haul Black Friday pour vous montrer ce que moi j'ai acheté durant ce Black Friday. Mais en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !